not be able to stay home, brother. You will not be... Alors, d'abord, un, ce que vous dites, que c'est un livre entre deux poids, deux mesures, vous avez raison. Et je le déplore. J'espère vous avoir convaincu que ce n'était pas du tout le cas. Mais là, j'avais le temps, je ne vous ai pas convaincu. Je suis désolé, mais bon, voilà. Et on a tous nos limites, hein. Et on, je disais tout à l'heure qu'on pouvait être mauvais, donc je ne vous ai pas convaincu. Je le regrette, je le déplore, mais bon, néanmoins. Je reconnais que dans le contexte actuel, la formule telle qu'elle a été publiée dans Le Parisien était à tout point maladroite, voilà, et que c'était sans doute pas le bon moment. Mais comme je vois le bon côté des choses, ça a le mérite, voilà, de poser le problème dans toute sa crudité. Je vais publier prochainement une tribune sur la question pour m'en expliquer clairement. Vous vous êtes convaincu de ça. Moi, je sais. Vous vous êtes convaincu, moi, je sais que ce n'est pas le cas. Quant au fameux procès dont vous parlez, là, vous savez, c'est comme la phrase de Rocard. Je pourrais presque vous accuser de mauvaise foi. Je vais même le faire. Je vais même le faire. Parce que vous oubliez simplement une chose. C'est que deux choses, vous n'en oubliez pas une, vous en oubliez deux. C'est que les livres dont nous avons demandé l'interdiction, c'est pas les livres dont on a demandé l'interdiction. C'est des livres qui ont été réédités par Alain Soral. Vous avez simplement oublié de dire ça. Donc vous êtes de mauvaise foi. Ça change rien. Donc vous êtes de mauvaise foi. Ça ne change rien. Vous avez oublié de dire à tous vos camarades ici, moi je suis un liberticide parce que j'ai demandé l'interdiction de livres, mais vous, vous êtes d'une affreuse mauvaise foi parce que vous avez oublié de dire que c'était les livres d'Alain Soral. Sur public, donc sachez n'importe qui. Que les livres dont nous avons demandé l'interdiction, c'est les livres d'Alain Soral. Point numéro un. Premier point de mauvaise foi de votre part. Deuxième point de mauvaise foi de votre part. Vous oubliez qu'il y a une chose, c'est que la justice nous a donné raison. Pour l'instant. Et que, écoutez, vous avez le droit d'être un militant. Il y a appel. Hein. Vous avez le droit, il y a appel. Vous avez raison, il y a appel. À l'heure où nous parlons, le peuple français, c'est-à-dire vous, mon vieux, vous, vous avez dit, eh oui, eh oui, eh oui, vous, vous avez dit, au nom du peuple français, que nous avons bien fait de saisir la justice. Voilà. Maintenant, je ne doute pas que vous saurez rapporter à Alain Soral les propos que j'ai tenus peu amènes à son égard. Je persiste les ceci, et vous pouvez les multiplier par 10.